Pire cauchemar. Hey, salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre serviteur Cauchemar et bienvenue sur la chaîne MPC Infernal Gaming. Et oui, Cauchemar en gaming, l'endroit où vous le savez, on envoie des let's play, des découvertes, des lives sur différents modes et types de jeux à une cadence infernale. Mais aussi l'endroit où vous pouvez avoir quelques petites infos, actus et news hein, diverses et variées. Voilà. Mais aussi des petits tutos, vlogs et unboxing. Après, comme vous le savez, c'est surtout l'endroit où chaque mois, je vous présente les jeux du PlayStation Plus et de ces trois différentes formules d'abonnement qui sont essentielles, extra et premium. Voilà les amis. Alors comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour la vidéo des jeux PlayStation Plus essentiels. Voilà. Pour ce mois de septembre 2024. Nous allons voir ça dans un instant. Alors ça fait super plaisir de vous retrouver. A tout d'abord, si toi tu passes dans le coin, que tu ne connaissais pas la chaîne ou que tu n'es pas abonné, eh ben je t'invite à t'abonner bien sûr ou te réabonner. Hein. Si vous n'êtes plus abonné, vérifiez bien. Et bien activez votre petite cloche de notification sur toutes pour ne rien manquer. Et puis aussi à lâcher le petit like ainsi que le commentaire. Hein. Vous savez, ça donne la force. Et ça aide beaucoup au référencement YouTube, hein, bien sûr. Et ceux qui peuvent faire des partages, c'est encore mieux. Après, évidemment, pour les grands seigneurs, ceux qui veulent vraiment aider les petits créateurs comme moi, vous avez aussi la possibilité d'accéder au petit bouton rejoindre. Voilà, pour devenir membre soutien de la chaîne, hein, membre Inferno. Voilà, nous sommes quelques-uns déjà. Un grand merci, hein, du coup, à ceux qui rejoignent ce programme parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Comme dernièrement notre ami Steve, hein. Voilà, je vous en ai parlé déjà, j'avais mis le lien de sa chaîne, n'hésitez pas à le visiter, c'est un super gars, lui donner de la force, voilà, The French Gunner. Mais vous avez également le petit bouton merci hein, qui vous permet de faire des super thanks, donc là encore, je placerai une petite note là-dessus. Voilà, je voudrais dire un grand merci aussi à une abonnée aussi, bah, qui est membre soutien Inferno aussi d'ailleurs, hein, qui est dans le programme hein, de la chaîne. Et qui m'a fait un don mais de malade, voilà, sur ma précédente vidéo, hein. C'était pour la sortie de Astro d'ailleurs, le Astrobot, et bah, je dirais qu'elle m'a remboursé le jeu en fait, hein. Je n'étais pas prêt, je m'attendais pas, donc encore merci à Nayout, hein, du coup, tu es vraiment une folle, hein, pour ce super 5, hein, voilà, de 50 €, donc comme j'ai payé le jeu 53,49 €, donc du coup... Ce qui fait que j'ai payé le jeu 3,49 € grâce à toi, donc un grand merci. Et vous voyez, ben, ça m'aide du coup pour le contenu de la chaîne, hein, pour investir hein, tout ce qu'il faut dans la chaîne. Voilà. Donc ça c'était pour la petite aparté. Alors, je vous propose qu'on fasse le petit récap aussi, le récapitulatif de la chaîne. Donc comme je vous le disais à l'instant justement, la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était sur le petit jeu, petit, enfin entre guillemets, le jeu Astrobot. Hein. Vraiment qui était très attendu, gros jeu qui cartonne bien sûr. On a vu son Metacritic de 94, donc ça fait bien plaisir. Et les joueurs derrière, d'ailleurs aussi derrière enchéri pas mal à 9,5. Voilà, donc plutôt bon aussi un hein, 95 hein, du coup de la part des joueurs. Donc ça ne m'étonne pas. Voilà, tout ce qu'il fait, il le fait bien. On ne demande pas plus, pas moins. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Il faut nous faire des jeux comme ça, des petits jeux d'aventure qui font plaisir. Voilà, revenir vraiment aux choses essentielles du jeu vidéo. Donc voilà du coup pour le petit récap hein, qui fut bref. Alors je vous propose du coup qu'on fasse aussi un petit point actu rapidement. Je pense que vous ne serez pas passé à côté, voilà, ça ne sera pas passé inaperçu, hormis le fait de la sortie de Astrobot. Hein. Du coup ce vendredi 6 septembre dernier, voilà, que nous avons couvert d'ailleurs sur la chaîne, évidemment je m'étais procuré en physique, mais nous avons eu aussi une annonce et pas des moindres, une grosse annonce de la part de Sony. Voilà, on l'attendait bien sûr, on savait, il y avait des leaks, la PlayStation 5 Pro les amis, oui, alors c'est plutôt une bonne nouvelle me direz-vous. Par contre, il y a des petits bémols, des petits hicks, et beaucoup s'insurgent, et oui, notamment au prix, par rapport au prix de la machine, qui
qui serait annoncé à 799,99 €. Non mais c'est quoi ça? 800 € les amis, 800 balles, mais c'est fou. C'est fou. Donc là, on peut d'ores et déjà vraiment dire, c'est acté, que voilà, Sony PlayStation est en mode fusée. Voilà. Ils ont décollé, ils sont partis, et je ne sais pas où ils partent, mais... Ah oui, c'est aussi par rapport à Microsoft et Xbox, hein, bien sûr, qui eux partent aussi, mais pas dans le même sens. Donc forcément, on a un petit problème au niveau de la concurrence, hein. Ça, on l'a toujours dit, que la concurrence a du bon. Xbox, revient, s'il te plaît. On compte sur vous, et oui. On a beau dire, même si des fois on se tape un peu dessus, voilà, entre firmes, mais quand même, c'est important, parce que là, on voit que vraiment, ils veulent faire du Apple, quoi, le Apple du jeu vidéo. Alors non seulement, on a le Netflix du jeu vidéo, avec tous ces services d'abonnement, et en plus, maintenant, on va arriver dans cette surenchère de... Et là, on est sur de la mid-gen, enfin, c'est de la fin de gen, mais on n'est même pas encore... Qu'est-ce que ça va être la PlayStation 6, vous imaginez? Bon, je pense que évidemment c'est réservé inédite, ça sera pour une petite niche, mais tout de même, tout en sachant que c'est un produit qui est purement digital, on voit que l'accent est encore poussé, hein. Voilà, qui est vendu juste de base avec une manette et du coup sans lecteur, donc il faudra encore débourser, hein. C'est comme la version précédente. Voilà, depuis les Slim, hein, qu'ils ont fait, hein, qui sont en kit, hein, maintenant. Donc on arrive presque à des petits PC, quoi. C'est des consoles PC, voilà, en kit. Et le lecteur, il faudra compter 120 €. Donc là, vous déjà, vous arrivez à 920 €. Et pour ceux qui aiment l'avoir debout, hein, en cathédrale, bien sûr, il vous faudra le petit socle qui maintenant est en option, lui aussi, et qui est vendu séparément à 30 €. Donc nous arrivons à 950 €, donc quasiment les 1000. Mais les 1000, vous pouvez les atteindre aisément, parce que, évidemment, il vous faut votre abonnement derrière. PlayStation Plus, hein, un abonnement minimum, donc si vous voulez jouer en ligne ou autre. Donc là, c'est aberrant, quoi. Mais je pense qu'il va se passer des choses, hein. Ils vont devoir redescendre un petit peu d'un étage. Voilà, ils vont faire comme ils nous avaient fait pour la gêne PlayStation 3. Qui était vraiment aussi très prohibitif, hein, au niveau de ses prix, et qui s'est vite cassé le nez au bout de quelques mois, hein, en 4 ou 6 mois. Voilà, ils ont dû revoir à la baisse de 200 € au moins. Ben oui, c'est normal. Surtout dans la conjoncture actuelle, la crise, pouvoir d'achat, tout ça, l'inflation, enfin l'inflation entre guillemets qui a bon dos. Donc voilà les amis, hein, du coup vite fait pour ce petit tour là, donc oui, on en conclura que bah, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Et que ça fait parler, hein, et ça va continuer d'ailleurs, ça va jaser. Bon, on attend beaucoup le Tokyo Game Show, hein, bien sûr, pour en voir un peu plus, en savoir plus, surtout qu'on n'a pas eu de gros jeux présentés avec, hein. Voilà, c'est que du réchauffé. Donc elle ne propose pas non plus quelque chose d'extraordinaire, si c'est un petit gap en plus, hein, technique, se voit quasiment plus maintenant. Donc la course à la puissance, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, il serait peut-être temps un petit peu de redescendre et revenir un petit peu à des valeurs plus simples. On veut du gameplay et des belles histoires, voilà, c'est ça, avec un minimum, oui, de qualité, voilà, graphique, et faut quand même que ce soit propre, quoi, mais demande pas non plus, parce que je pense qu'on commence à atteindre un peu des plafonds de verre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, est-ce qu'il faudrait pas tout démolir pour mieux reconstruire? C'est un peu l'histoire de toute chose. Donc voilà les amis. Alors je vous propose maintenant, ben, qu'on se penche sur les jeux du mois, voilà, hein. Les jeux pour le PlayStation Plus essentiel de ce mois de septembre. Donc vous savez, c'est les 2-3 jeux, hein, à chaque fois qui sont mis à disposition pour tous les abonnés, hein. L'abonnement minimal, voilà, du PlayStation Plus. Avec tout d'abord, évidemment, le Little Nightmare, deuxième du nom. J'avais pu déjà vous mettre un petit peu, hein, le premier, on avait pu s'essayer. Et d'ailleurs, pour moi, c'était l'occasion de le terminer, comme j'ai vu que celui-ci arrivait. Voilà, pas plus tard que hier, j'ai fini le premier. Bon, sans compter les extensions et les DLC, hein, bien sûr, je n'avais pas accès, mais à voir, peut-être je me les prendrai. Et d'ailleurs, j'ai même vu, j'avais oublié que j'avais fait une petite session aussi... sur le 2,
Voilà l'introduction du jeu qui était en essai aussi. Hein. Il y avait une petite démo. Donc du coup, vous verrez hein, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai redémarré le jeu, j'ai avancé un petit peu pour reprendre là où on en était. Évidemment, c'est sûr que c'est mieux plutôt que de se retaper ce qu'on a déjà vu. Alors après, on aura du Day One. Et oui, le Day One, ça fait plaisir de temps en temps. Un petit jeu qui est arrivé Day One dans la licence Harry Potter. Vous savez que si on avait fait le Hogwarts Legacy hein, sur la chaîne, que je m'étais procuré aussi Day One en physique, voilà. Mais il manquait un petit quelque chose dans le jeu, évidemment. C'était le fameux sport du Quidditch. Donc là, ils ont fait un petit jeu dédié avec le Harry Potter's Quidditch Champions, voilà. Donc à faire en solo ou à plusieurs. Évidemment, on ne présentera pas hein, le sport, vous connaissez. Bon, je ne l'ai pas sélectionné du coup pour en faire cette vidéo, mais je compte bien le tester derrière. Comme j'ai vu que beaucoup de monde s'était lancé dessus, je me suis dit bon, on va pas faire trop de Reddit pour le coup. Donc voilà. Et après, pour finir, un autre petit jeu de sport. Voilà, un petit peu plus terre à terre cette fois-ci, avec la grosse licence MLB The Show 24. Et oui, évidemment, le baseball. Ceux qui aiment le baseball, là vous avez vraiment la référence. Voilà, de chez Sony PlayStation. Très bon petit jeu aussi. Donc ça va plutôt correct, on a un bon petit programme. Donc voilà du coup pour les jeux, mes amis. Et tous les jeux sont compatibles PS4, PS5. Donc ça c'est bien. Et bah écoutez, je propose qu'on se lance sur ce Little Nightmares 2. Et oui, j'ai hâte de reprendre l'aventure. Quelle aventure! J'adore ce jeu. L'ambiance, tout ça. En plus, le premier du nom, c'était une version PS4. Donc là, on a les deux versions, PS4 et PS5. Donc ça, ça fait plaisir. Évidemment, on va jouer sur la version PS5. Du coup, je vais reprendre la partie. Comme ça va être dans la continuité. On était dans la forêt. On était tombé sur une cabane avec un chasseur. Dedans, un chasseur empailleur qui nous courait après, et on a y fini dans un petit trou, voilà, de terrier. Donc on reprend dans cette galerie. Alors que va-t-il nous attendre maintenant? Et du coup, je sais pas du tout hein, la suite. Alors la petite différence, c'est qu'avant nous étions seuls, donc là maintenant on est accompagné. Du coup, on a récupéré quelqu'un avec nous. Ce qui va permettre d'élargir un peu les possibilités de jeu. Voilà, à faire des choses en duo, tout ça. En plus, c'est un bon petit move, hein, du coup, qu'ils ont mis le Little Nightmare 2, là, parce qu'il y a le 3, hein, vous savez, qui est attendu, qui est prévu. Voilà, prévu normalement 2025. Est-ce que ce serait pas elle de faire ça? Ah oui, d'accord. Et ensuite, on fait comment? Appuie sur triangle pour appeler. Est-ce que tu me rattrapes? Ah oui, ok. Bah, ça fait quand même un sacré jump. Bon, bah, je me lance. Ouais, ça va, je fais des bons sauts. Ok, on peut courir. Je me rappelle un peu les touches. Carré pour courir. Ok, croix sauter. R2, touche action, du coup, pour saisir tout ça. D'ailleurs, je peux saisir mon partenaire. Ok. Pour s'accroupir, c'est L2, du coup, pour la furtivité. Bon, là, je sais pas, on peut visiter un petit peu. Il y a sûrement un truc à faire, là. Pas un truc à faire avec cette cage. Ou pas. Quelque chose dedans, mais... Alors pour l'instant, on va avancer un peu pour voir. Oh. Est-ce que ce serait pas le chasseur qui est encore dans le coin? Ok, c'est lui. Il est là avec sa lampe. Et son fusil surtout.
Bon, du coup, il va falloir. Ok, c'est reparti la course. Ok. Hey, j'étais pas derrière une caisse là? Il m'a touché. Bon, attendez, je bois un petit coup. Il me semblait que j'avais eu le temps de me mettre. Bon, par contre, il faut que je m'attende. Bon, là, c'est bon normalement. Oh. Okay. Attends un petit peu. Toujours que j'ai quelque chose à côté pour me couvrir. Voilà. D'accord. Déterminé. Un peu là-dessous là. Ok. Ok. On va marcher à côté. Ce stress. Ok, je pense qu'on peut avancer. Bien poisseux. Alors là, il va falloir qu'on monte. Attends. On va aller par là. D'accord. Bon. Ok, il fallait se pencher. Ok, c'est bon. Bon, c'est bien, au moins il n'y a pas d'indication. Ok, là il va falloir attendre le bon timing. Allez, vite. Quitte à se mettre dans la boue, ouais. Donc là, pas oublier de respirer. C'est bon. On va avancer en même temps. Sortir ici. Pousser ça. Ouais, ça va pas être très discret. Alors aller dedans en fait. Ah non, ok, on va s'en servir pour se planquer derrière. D'accord, et en fait je suis rentré un petit peu trop tôt dans la boue. Ouais, en apnée après c'est très limité. Du coup il s'est relevé un peu tôt. Sympa. Il y a plein de bonnes idées, c'est bien monté. Je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est le début, du coup je l'avais déjà fait, donc j'ai pu le refaire assez vite. Et là maintenant, okay. C'est reparti. Bon, bah, dans la maison, vite. La petite cabane ferme. Bon. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un fusil. Oh. On va se défendre. Dès qu'il arrive. Ok, toi tu le tiens. Et moi je le refais. Ouh. Ah, il s'y attendait pas à ça. Ok, on va pouvoir continuer. On est un peu sourd, mais la voie est dégagée.
Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Donc là, on va faire quoi? Petit radeau. Il n'y a plus qu'à. Se laisser voguer. Jusqu'où? Où est-ce qu'on va atterrir? Sacrée ambiance. Des téléviseurs, ok. Ça va, on avance bien. Oh. Ok. Allez, on va accoster. Allez, viens. Il faut que je te prenne par la main ou quoi? Allez, viens, amène-toi. Moi, je la tire. Je sais pas si t'es une fille ou un garçon. Mais... Oh, qu'est-ce que c'est? Bonhomme. Oh, étrange. C'est quoi, des collectibles ou des souvenirs, on dirait. Je sais pas trop. Des petites ombres. Ok. Allez, c'est reparti. Ok. Attends, on va passer là. Ok, une ville déserte. Qu'est-ce que c'est? Tous les corps ont disparu. Ok. Alors, là, ça va être un peu haut. Il va falloir se faire la courte échelle. Je crois. Alors. Vas-y. C'est qui? Ouais, c'est toi qui fais la courte échelle? Allez, vas-y, ça marche. Bah, attends. C'est automatique? Oui, j'ai compris. Voilà. Appuie sur R2. Alors. Alors, du coup, maintenant,
Ouais, 1 minute. Ouais, ça sort pas grand chose. Ah, pourquoi j'ai fait ça? D'accord. Je venais de trouver ce qu'il fallait faire. Ok, faut pousser le. Bon, ça va, c'est pas trop punitif. Ok, faut pousser le téléviseur. Du coup, ça devrait me faire monter un peu plus. Ça va le faire ou quoi? Ok. Alors, on va pousser ça. Faire monter. Voilà. Alors ensuite, on n'est toujours pas réunis. Il est plus sombre cet épisode parce que lui il n'a pas le briquet quoi, comme dans. Par contre il fait ses sauts. Ok. Je sais pas trop où est-ce qu'on va. Attends, je jette un coup d'œil quand même ici. Il y a encore un petit personnage. Je prends. Avant, on avait des petites statuettes à briser. Hop là. Tranquillement. Allez. Oh, c'est glauque. Il y a des pendus, tout ça. Mais où sont les corps? Il n'y a même plus de squelettes, hein. Oh. Ça me tue. J'ai gagné ce truc là. Ouais, c'est bizarre. On va régler la transmission. Ok. J'utilise L pour régler la transmission. Ouais. Je me mets à un endroit précis ou... je comprends pas. En face. D'accord. Ok, là il faut jouer avec le joystick. Joystick gauche. Je stabilise l'image. D'accord. Ok. On va faire ça plusieurs fois. Ah, c'est Space. Ok. Du coup, je suis passé à travers. C'est très énigmatique. La porte avec l'œil. Waouh.
Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on est tous les deux, ok. Alors. Enfin, pousser ça. Ah oui, quand même. Un petit passage derrière. Ok. Là, on a l'horloge au-dessus en forme d'œil encore. On s'amuse. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, là on a une corde. Ah, je crois. J'adore cette ambiance. Allez, c'est reparti. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est plutôt calme. Il y a des portraits étranges. Si j'appuie sur ça. Ouais. Ça va sûrement servir à un truc après. Je vais regarder d'abord. Ok. Mince. Toujours choper des trucs. S'amuser un peu. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait avec les cubes, elle? Là aussi, il y en a un. Pourquoi t'as pris un cube? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Je sais pas pourquoi elle a ramassé son cube, elle. Alors attends. Est-ce que c'est pour atteindre la poignée? Non. On prenne des cubes pour monter dessus ou... Vas-y, bah... On va essayer. Comme je sais pas trop encore ce qu'il faut faire. Je sais pas si je vais... Déjà, il monte pas dessus, donc... Alors, ça sert à rien. Écoute, on va éteindre, peut-être qu'on verra... Ok, donc là déjà, il y a des trous qui sortent des yeux du cadre, ok. Est-ce qu'il faut mettre les cubes là au sol? Ah. Je crois qu'il y a un œil en fait sur le cube. Les deux sont pareils. Si c'est des cubes avec des yeux, ah, attends. Si elle l'a pris. Ouais, ça doit être ça. Allez, vas-y. C'est ça, ouais. Il faut lui rendre ses yeux un peu quoi. Let's go. Si tu peux prendre note en passant aussi là. Non, tu peux prendre un cube. Ok, merci. Tout à l'heure elle avait pris le cube mais
Je vais chercher l'autre alors. Faut tout faire ici. Hein. Et dans le 3, justement, il sera jouable en coopération. Hein. Celui-ci, il me semble pas que. C'est que de l'IA. Mais après. Bon, il n'y a pas un sens hein, pour les mettre, je crois pas. Ouais, peut-être. On peut pas les tourner, rien de toute façon. À pas me saouler avec. Je sais pas dans quel sens il est celui-là. C'est ça, non? Il faut qu'on se mette chacun avec. Vas-y, prends-en à toi. Tu prends lequel? Attends, si je prends l'autre. Ah, t'allais faire quelque chose? Vas-y. Ah, c'est bien. Non, tu fais rien, ok. Ok. Il se passe rien. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Tout simplement. On peut faire ça aussi. Est-ce que c'est pas trop haut pour monter? Tu vas me faire la courte échelle ou. Non, c'est bon. Oui. Quand on n'y arrive pas, on casse tout. Oui, c'est une solution aussi. Oula. Ok, faut être synchro. On va faire un petit passage. C'est bien comme ça qu'il faut faire, qu'on doit faire des petites déductions comme ça. Ça, j'aime bien. Il y a un petit peu de recherche et de. Des fois, on part sur une idée et puis c'est complètement autre chose. Moi, je pensais qu'il fallait juste poser les cubes en fait dans le rayonnement des trous du tableau, mais en fait, non, tu prends n'importe quel objet et tu le balances, d'accord, sur le tableau. Ça te montre oui, qu'il y a un trou derrière quoi. Ok, ça, on ouvre ça. À deux, s'il te plaît. Et voilà, un passage en plus. Ouais, c'est sombre. Hein. Quand on n'a pas le briquet là. C'est quoi ce bruit? Oula! Ça commence à partir en vrille là. Nous ne sommes pas seuls. Ouais, ça n'a pas l'air très catholique tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Wow! Ah ouais, il y a des pièges de malade. Heureusement j'étais vers la porte. Je serais resté au milieu, je me serais pris ça quoi. Ok. Eh, attends-toi. Il y avait un petit enfant là derrière encore. Non, c'est lui qui nous fout des pièges comme ça. Ouais. Oh, joli. D'accord. Bien essayé. Peut-être que la troisième, ça sera la bonne. Peut-être qu'il veut qu'on le suive pour qu'on se prenne tous ces pièges de bras. Là. Aïe. Ah, ça va. C'est juste drôle. Avec des pompes dedans, ok. Le coup de la porte. Ah merde, ça s'est refermé. Il y en a un truc là. Bon, on va être obligé d'aller là. On voit les trucs au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait là de fond? Il y a un singe. Wow! Ah oui, rien que ça.
quoi ce singe? Encore un piège là. Ah ouais, celui-là il fait toute la longueur. Je me suis dit, tiens, en me collant un peu, d'accord. Donc là il faut faire quoi? Il faut sauter quoi, réflexe. Ah ouais, non, faut se baisser. Oh, bon. On a tout essayé. En plus, on voit le marquage, ouais, en face. Vas-y, on va y aller comme ça. Bien. Wow. Ils s'en foutent, ces gosses. C'est eux qui ont fait ça? Et pour qui ils ont fait ça? Pourquoi? C'est bon, c'est fini. Ça, ça va tomber. Non, c'est bon. Ok, il y a une masse. Ah, je savais. Alors, il m'a capturé. Oh, ils sont étranges. Qu'est-ce que c'est que cette poupée de l'enfer là? Le crâne brisé. Ok, donc moi je vais revenir avec la masse après. Ah, c'était bien joué. Ok, ils ont enlevé ma copine. Qu'est-ce que tu fais toi? Je suis là. Oh. J'aime pas qu'on se moque de moi là. On peut être amis, mais on peut aussi être amis. Oh, il y avait un piège! Oh, bien joué! Ok. J'étais tellement focalisé pour l'exploser. C'est tellement gratifiant. Ok. Non, mais une fois que tu connais le truc. Tiens, oh, déjà. Bon, par contre, lui. À moins que je déclenche le piège d'abord. Ah, ouais, mais attends. Faut pas le jeter mon truc. Ah, lui aussi il peut se prendre de piège. Et si je l'attire et que je me baisse? On va essayer. D'accord. Parce que du coup. Ouais, en fait j'ai compris. En fait le maillet, en fait la masse, ça fait du bruit. Quand on la traîne sur le plancher, mais sauf sur les zones où il y a du tapis, tout ça, d'accord, ok. Comme au début il y avait la moquette, il n'entendait pas. Par contre après. Ah mais là du coup ça. Ouais c'est bon. Ok, là jusqu'à me baisser en fait. Ok, il s'est pris son piège lui-même, ça c'est bien. Est-ce qu'il faut que je retourne prendre le marteau? Non, c'est bon. Je suis obligé de le laisser. J'aime bien. Bon, après, une fois que tu connais le truc, tu peux le refaire en speedrun et tout, quoi. Bon, au début, tu es obligé de te prendre un peu des choses, quoi. Donc là, il va nous falloir une clé. Ils ont mis beaucoup plus de profondeur par contre par rapport au premier. On peut aller dans plusieurs plans comme ça, c'est pas mal. Dans le fond, devant. Qu'est-ce que c'est? Avant c'était un petit peu plus fermé quand même. Ok, c'est l'école. Quoi? Wow. Ok, d'accord. Il ne faut pas troubler la classe. Faut que je fasse attention quand elle se retourne. D'accord. Sinon tout le monde m'attrape. Waouh, c'est chaud. Je vais attendre. Combien de temps j'ai? Ok. L'angoisse. Mais non. Ah, je peux rien faire, ok, d'accord. Mais comment ça se fait? J'ai l'impression que ça tangue.
Bon, pour l'instant, ça va, ça a l'air fixe. Parce que dans le premier, il y avait une séquence comme ça où le sol, justement, il se penchait un peu. J'ai l'impression que ça m'a fait revenir un peu en arrière. Est-ce que j'ai le temps? C'est juste. Ouais, c'est bon. Mais je sais pas d'où tu me vois là. Ok, vas-y. Ferme, ferme, ferme. Bah, en fait, j'aurais dû me barrer. Ok. Oh, oh. Non, non, non. Ouais, c'est le petit 1, 2, 3 soleil. Ok. Allez, c'est parti. On va attendre, vas-y. C'est tout ce bargeau là-dedans. Ok. Est-ce que j'attends un peu là encore? Là, on voit pas normalement. Ouais, c'est bon. Et après, je me barre. Ok. Bon, normalement, je ferme pas la porte, si. Non. Ça reste comme ça. Ok. Oh, il y a une clé au-dessus. Ok. Après, il faut que je refasse la même, mais avec la clé. Oh, t'es sérieux là? Ok. Il va falloir que j'escalade tout ça. Non. Ah ouais, ils font des pièges comme ça aussi. Pour récupérer les. Non, ok, c'est pas comme ça. Je me suis pris toute l'étagère sur la tronche. Je peux pas la pousser non plus. Ok, il va falloir que je fasse autrement. Je monte par là. Et je saute après. Ou pas. Là, il faut que j'ouvre tous les casiers là. Non. Ok, dans le premier on pouvait faire ça. Ou je trouve un objet peut-être à balancer dessus. En fait, je commence à monter et que je me barre quoi. C'est ça. De la clé. Vite, 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 vite. Je me cache dans le carton. Ah ouais, ça va vite, hein. Wow. Creepy. Ah ouais. Eh oui, le petit passage, comme par hasard. Ah ouais, c'est sale. En fait, c'était... Ouais, j'étais obligé de faire ça, de faire tomber le... Mais ça, tu es obligé de le savoir, tu vois. Si tu commences à monter, tu te fais éclater, quoi. Waouh, ok. Attends. Tu peux pas te barrer, là? Ah, là, ça va être chaud. Ah, mais les enfants, ils vont... Ils disent rien, les enfants. Je sais même pas si j'ai la... Ah, si, la clé, il l'a dans sa poche. Je me mets au bureau, j'attends là, je sais pas. Je connais pas son schéma encore, ok. C'est passé par derrière le bureau là. Angoisse. Allez, on va au fond. Elle revient. Alors on va pas au bureau. Ok. On part là-bas. What? Tu m'as vu? Ok. Go. Je me barre. Je sais pas pourquoi je tiens ce truc d'ailleurs. Hey, tu te bloques pas là. Je crois qu'il y a pas un petit piège sur le retour. Vite. Ah bah y a tous les nains. Ah là là. Oui, elle envoie tous ses nains après. Ouais, il faut pas se faire voir. Ok.
c'était pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû me lever sans faire exprès. J'étais plus accroupi en fait. Je crois qu'elle a vu, elle m'a vu dépasser. L'angoisse. Allez, je vais essayer de passer au moins ce passage là. Bon, si je la suis normalement, c'est bon. Allez, sors. Le bureau. Voilà. Elle est folle. Allez, vas-y. On va faire un petit tour dans là-bas. Bouger un peu la cam, mais vite fait quoi. C'est bien. Oh, tu fais peur. Allez, je me barre. C'est bon là. Hop, discret. Ok, je crois que je suis sorti. J'ai tiré l'affaire là. Allez. Dinguerie. Ok. Ça, c'est fait. Bon. Rien n'est joué encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Gentil petit Pinocchio. J'ai plein de dessins à la craie. Il est mignon. Il a l'air attaché. On va le laisser là comme ça. Bon, écoutez les amis, si on en restait là-dessus, bah ce Little Nightmare, excellent, hein, c'est vraiment dans la continuité. Hein. Voilà, je savais que j'avais fait le bon choix. Moi j'avais adoré le premier, d'ailleurs que je viens de terminer récemment là, pour pouvoir continuer là, la suite. Et je vais me continuer ça tranquillement, en attendant le 3 aussi. Le 3 qui s'annonce être bien lourd, j'en suis certain. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ce petit gameplay live découverte sur Little Nightmares 2 du coup, qui arrive dans le service d'abonnement PlayStation Plus Essential, voilà, pour ce mois de septembre 2024. Et qui sera accompagné avec les deux autres titres, hein, évidemment, avec le Harry Potter Quidditch Champions, voilà, et le MLB The Show 24. Bon, ben, du coup, je compte sur vous, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, à bien vous abonner à la chaîne et activer votre petite cloche de notification sur tout, hein, pour ne rien manquer, ainsi qu'à lâcher le petit like et le petit commentaire qui donne la force et qui aide au référencement YouTube, bien sûr. Ceux qui peuvent faire des partages, c'est encore mieux. Et puis après, pour les grands seigneurs d'entre vous qui veulent aider les créateurs un peu plus, hein, vous avez la possibilité de rejoindre le programme, hein, voilà, pour devenir membre soutien de la chaîne, hein, membre Inferno. C'est pour 1 euro symbolique, voilà, ça mange pas de pain, ça vous donnera plein d'avantages supplémentaires. Mais vous avez aussi le petit bouton merci, hein, qui vous permet de faire des super thanks, voilà, au montant de votre choix. Comme la dernière abonnée, dernièrement, la Nayotte, que je remercie encore, hein. Merci beaucoup. Pour son super 5 de 50 euros, c'est une dinguerie quoi. Bah pour le Astrobot, hein, du coup, ça m'aide, ça m'a payé le jeu. Donc sur ce, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis, c'était votre pire cauchemar. Et n'oubliez pas, le cauchemar est réel. Allez, salut tout le monde.